Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que tout le monde se porte bien, ou rebonjour si vous avez visionné votre première guidance du jour. Donc là, on se retrouve pour vos messages à entendre pour votre week-end signe par signe. Donc n'oubliez pas hein, que je ne pourrai pas parler à tous les signes, je capte l'énergie la plus haute, la plus majoritaire. Donc faites preuve de discernement et acceptez qu'il ne puisse pas y avoir de message pour vous. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, surtout si vous vous sentez plus ascendant dans la personnalité et le caractère. C'est ce signe-là qu'il faut aller regarder. Comme d'habitude, dans la barre de description, le minutage pour votre signe. Toutes les infos pour me contacter sont notées. Donc merci de lire tout ce qu'il est noté dans cette barre de description. Et merci de faire toujours et encore preuve de bienveillance dans vos commentaires. Bien entendu, vous connaissez ce tirage. Je vais pré-tirer les cartes à l'avance avant de vous en faire une lecture plus claire. On est parti. Coucou la Vierge, vous avez encore une fois une heure inversée 01-01. Allez, on est parti pour la Vierge ce week-end. Oula. Le monde animal, le monde végétal. Oui, il y a du monde. La maison. Ok. L'initiation et la lumière. Mais ça ne me parle que de vous ici, amis vierges. Alors ce week-end. Ici, c'est un apprentissage des leçons du passé. C'est un retour au mieux-être. Ici, c'est une introspection. Bon, vous allez énormément passer de temps chez vous ce week-end pour vous ressourcer, pour retrouver une énergie de confiance et d'optimisme. Peut-être que vous allez jardiner, vous allez vous occuper de vos animaux, ou alors, si c'est pas le cas, hein, c'est tout simplement de vous-même ici. C'est une énergie de, c'est ce que je disais précédemment, d'introspection. Ici, vous avez besoin de ressourcement, vous avez besoin de calme, de sérénité, de paix pour changer de mode de fonctionnement ou comprendre les choses. Il y a énormément ici, comment j'appelle ça, de la masturbation cérébrale, mais de la masturbation cérébrale nécessaire. C'est comme si vous aviez un besoin d'être seul avec vous-même ou entouré, hein, entouré de calme. Alors, si vos amis vous apportent le calme, il se peut que vous receviez les amis chez vous. C'est pas vous qui allez chez eux, c'est eux qui viennent chez vous. Mais ici, il y a une énergie de se ressourcer. De ressourcer, peut-être de prendre le soleil. En tout cas, ça va dépendre de votre région. Pour recharger vos batteries. Mais c'est une énergie très individualiste qui est la vôtre. Moi, oh, je suis désolée, La grisette ce matin, elle est surexcitée. Surexcitée. C'est comme si elle sentait la neige alors que non, il n'est pas prévu qu'il neige. Mais bref, il y a une énergie d'introspection ici. Mais ce n'est pas une introspection négative. C'est très très positif. C'est comme une remise en question. Ou si ce n'est pas une remise en question sur ses valeurs, ses idées, sur sa façon de se comporter avec soi, avec les autres. Si c'est pas ça, c'est tout simplement un besoin de calme et de sérénité, seul avec soi-même ou alors avec des amis. Mais ces amis-là, hein, sont dans une énergie de calme et de paix. Donc voilà pour vous, les vierges. Coucou la balance. Allez, on est parti pour vous ce week-end, amis balance. Pour la balance ce week-end. Oula. Oulala, Léo. Vous êtes sous tension ou quoi? Alors, la balance ce week-end, merci. Bon, ben voilà. Hein. La santé, j'ai bien senti quelque chose comme ça. Le patriarche, ok. Le delta. Et l'illusion, ouais, bon. Je sais pas si c'est dans l'ambiance, mais les amis vierges avaient eu à peu près le même message que vous, mais en moins lourd. Alors, ce week-end, amis balance, alors le premier message pour certains balance, ce week-end, il y a un besoin ici d'y voir plus clair par rapport à quelqu'un.
Alors, ce quelqu'un, ça peut être un père, un compagnon ou alors un patron. Vous avez besoin ici de vous ressourcer, vous avez besoin d'éclaircie ou d'éclaircissement. Vous avez besoin ici de voir si quelqu'un cherche à vous duper ou si c'est vous qui vous trompez sur les intentions de quelqu'un. Il est très profond votre tirage, hein, ami Balance ici. Hein. Parce que ça vous affecte. Vous voyez, quand on a la carte de la santé, c'est qu'il y a, il y a un lien à l'autre, en l'occurrence, ou au père, ou au patron, ou au partenaire, qui nous affecte. Et on a un besoin de clairvoyance. Pourquoi? Pour savoir ici si on se trompe sur les intentions de cette personne, ou si c'est cette personne qui vous trompe. Hein. Mais attention, il n'y a pas une énergie d'infidélité ici. Hein. Pas du tout. Hein. Là, par contre, c'est par rapport à ce qu'il dit, qu'il va faire, ou ses intentions. Voilà, je cherchais le mot, mais ses intentions. Alors, il se peut que durant le week-end, vous ayez votre réponse avec la carte du Delta. Il se peut que ce week-end, vous compreniez quelque chose en lien avec, avec cette personne. Bien entendu, ici, hein, on voit avec la santé qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur et il y a quelque chose que vous souhaitez éclaircir. Hein. Donc, il y a une vérité que vous voulez voir, qu'elle fasse mal ou pas, mais il y a quelque chose qui est cher à votre cœur. Et ce qui est cher à votre cœur, c'est comprendre l'attitude de cette personne. OK? Et même si vous êtes un homme, hein, parce que là, ce sera beaucoup plus parlant si vous êtes une femme, mais même si vous êtes un homme, il y a une autorité ici qui vous perturbe. Donc vous, si vous êtes un homme, ça concerne un père ou ça concerne un patron. Ça peut concerner un partenaire si vous êtes en partenariat financier, mais je pense pas que ça vous concerne, vous, messieurs. Si ça vous concerne, vous, c'est une remise en question par rapport à vos agissements ou par rapport à une stratégie que vous avez mise en place. Il y a quelque chose comme ça dans votre tirage. Mais je pense que vous aurez votre réponse au week-end. Vous allez y voir plus clair, surtout avec le Delta. Coucou les scorpions. Allez, on est parti pour votre week-end. Oula, reviens là, toi. Alors, le monde minéral. L'automne. La pénitence, ouais, je sentais qu'il y a quelque chose de dur. Hein. Et le voyage. Ok. Alors, ami Scorpion, hein, alors soit vous avez perdu quelqu'un, mais c'est pas récent ici. Hein. Alors, quand je dis que c'est pas récent, ça date pas de 15 jours. Hein. Ici, vous avez de la difficulté à lâcher prise, vous avez de la difficulté à ne pas ressasser ce passé, ce passif avec cette personne. Vous avez de la difficulté à tourner une page, à ne pas oublier en fait. Le premier message, c'est celui-là. OK? Le deuxième message, ce qui est compliqué, c'est peut-être au niveau finance et carrière actuellement. C'est peut-être reprendre confiance que les choses vont se résoudre, que vous allez pouvoir aller de l'avant. Et sachant que quand on a le monde minéral, on a une énergie de... Il y a quelque chose de dur, donc d'où la pénitence, mais il y a quelque chose qui dure. Et l'énergie de l'automne, c'est l'énergie ou de perte ou de récolte. Mais ça peut représenter aussi l'argent, ok? Comme ça peut représenter le lâcher-prise. C'est pour ça que je vous signifie tous les messages. Si vous avez quelque chose de compliqué en lien avec quelqu'un, et là on ne parlera pas d'un partenaire, d'un ex, hein, comme je vous l'ai dit dans le premier message, il y a de la difficulté également à aller de l'avant, hein, à rester positif concernant ici la continuité. Non, mais c'est pas possible, elle recommence. Je suis désolée, hein, mais je crois que vous allez beaucoup voir Grisette ce matin sur les vidéos parce qu'elle est surexcitée. Et je ne peux rien y faire. Vous la laissez vivre. Ouais, il y a une difficulté ici. Alors, si vous aviez l'intention de déménager, si vous aviez l'intention de partir en vacances, il y a un blocage ici.
Il y a un blocage. Alors, soit le blocage, il est dû à vous, c'est-à-dire que là, il y a une énergie quand même d'être revenu dans une forme d'autorité envers soi-même. Il y a quelque chose qui vous met dans cette énergie de peur de perdre, peur de l'échec. Pourtant, hein, on a l'air de vous dire, hein, lâche prise, va de l'avant. Hein. Ou alors, il y a une énergie de le passé n'est pas bon pour toi. L'avenir est beaucoup plus prometteur. Il y a quand même un message d'espoir dans votre tirage, que les choses s'arrangeront, si et seulement si tu en as la conviction, si et seulement si tu en as la détermination. J'ai eu du mal à le dire. J'ai failli m'étouffer. Donc non, il y a vraiment un blocage chez vous, les scorpions, pour lâcher prise. Pour arrêter de vous faire du mal, parce que c'est à vous, hein, que vous faites du mal en la circonstance ici. Hein. Les choses peuvent se solidifier si et seulement si, quand on regarde dans la diagonale, hein, vous lâchez prise, acceptez. Hein, je vous dis, en développement personnel, la clé de toute chose, c'est la résilience, c'est l'acceptation. Ok? Donc voilà pour vous les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, on est parti pour votre week-end. Alors, on a le commerce, on a les festivités, on a le message, ouh, ça sent bon, et on a le temps, ok. Alors, amis Sagittaires, soit ce week-end, vous allez célébrer une bonne nouvelle en lien ici ou avec votre finance carrière, vos finances et votre carrière, ou en lien ici avec des négociations concernant un habitat. Ce sont de bonnes nouvelles. Alors, la carte du temps ici, soit vous avez attendu hein, cette nouvelle depuis un certain temps et elle tombe. Soit ici, vous avez mis beaucoup de temps à négocier quelque chose de positif pour vous. Mais ici, il y a une acquisition dans votre tirage. Et ici, les cartes sont très jolies, hein, quoi qu'il en soit. Puisqu'ici, on parle de célébration, bah parce qu'il y a une bonne nouvelle qui tombe. Et parce que c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Il y a une énergie d'avoir été endurant, persévérant dans votre tirage. Mais oui, en effet, hein, on célèbre une bonne nouvelle. Alors, comme je l'ai signifié précédemment, hein, je vais vous le redire, pour certains, c'est une promotion. Pour d'autres, c'est un nouvel emploi. Pour d'autres, c'est la négociation pour obtenir un bien. Ou alors la négociation pour agrandir un bien, bon, ça reste très positif pour vous les Sagittaires. OK? Coucou les Capricornes. Alors, pour ce week-end, les Capricornes. Les voyages. Le chagrin. La mutation et l'adversaire. Oh là 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 là. Alors, dans un premier temps, le premier message, hein, c'est vous qui êtes votre propre ennemi. Vous êtes dans une énergie de sabotage parce que vous avez du mal à aller de l'avant, vous avez du mal à rester positif concernant votre avenir, devenir. Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et vous avez du mal à modifier le cours des choses, ou ouais, c'est vous ici, hein, votre adversaire, votre propre ennemi, pour certains, certaines, pas pour tous, parce que ça, c'est le premier message, ok? Donc, la difficulté qui est la vôtre, c'est de croire en vous, de croire en votre avenir, de croire que les choses peuvent s'arranger, de croire tout simplement. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, concernant un déménagement, déplacement ou un mouvement positif vers l'avant, il se peut ici qu'il y ait énormément de concurrence, de rivalité ou de malhonnêteté autour de vous-même. Donc ici, on parle de personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues pour avancer, ce qui va vous causer ici de la peine et du chagrin. Alors, quand on est dans la peine et le chagrin, en général, c'est que les personnes concernées, c'est des personnes que vous
dont vous, comment dire, qui vous sont proches ou dont vous. C'est comme si on tombait de haut, en fait. Si ça vous touche, ami Capricorne, c'est parce que c'est des personnes, oui, qui vous sont proches, tout simplement. Alors, est-ce que pour certains, c'est votre famille qui vous empêche ici de vous épanouir, qui vous empêche ici de déménager, de bouger, d'avancer? Est-ce que pour certains, c'est au niveau d'un projet et c'est des personnes qui, au début, vous soutenaient et qui maintenant, eh ben, ne vous soutiennent plus ou au contraire, il y a un poids ici? Donc là, c'est pareil, hein. Vous avez votre propre participation dans la guidance, hein. Mais il y a quelqu'un qui n'a pas envie ici que vous bougiez, que vous avanciez, hein. Et comme je l'ai dit, hein, ça peut être vous. Là, il faut être honnête envers soi-même, hein, de dire oui, c'est vrai, Maëlle, le changement, c'est pas pour moi. J'ai du mal ici à sortir de ma zone de confort. J'ai du mal à modifier mes habitudes, ben, alors là ça vous parlera, hein, parce que ici il y a une prise de conscience que vous êtes votre propre ennemi. Et puis pour d'autres, eh ben, c'est un environnement proche ici, hein. La concurrence et la rivalité, hein, c'est des personnes qui, je vous donne un exemple, c'est pas la vérité, mais c'est des personnes qui au début ont validé votre projet et qui maintenant vous disent, ben non, c'est pourri. Tu vois, il y a une énergie comme ça. Comme il se peut qu'il y ait quelque chose au niveau familial ici. OK? Donc il y a une énergie de peine, de lourdeur dans votre tirage, en tout cas ce week-end. Donc voilà pour vous les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, pour ce week-end, les Verseaux. Oula. Alors, la gestation, la maison, la lumière. Ok. La science et le retour. Bon, ça va être un week-end cocooning, hein, les Verseaux. Hein. Alors, pour nos amis Verseaux, vous avez besoin ici de repos, vous avez besoin ici de ressourcement, vous avez besoin ici de retrouver une énergie de santé, de retour au bien-être, mais vous ne pourrez pas empêcher votre cerveau de tourner en rond. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie d'attente. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez ou qui vous attendez, ami Verseau. Alors, soit vous attendez ici qu'un projet se concrétise en lien avec un habitat, et ce week-end, bah, vous allez dire, bon, j'arrête de me prendre la tête, je fais pause, je m'occupe de moi, je me ressource, je recharge mes batteries. Mais, et oui, il y a un mais dans votre tirage, ça ne vous empêchera pas, malgré votre intention, bah de ressasser ici votre attente de concrétisation, de l'achat, de la vente, d'un déménagement, bref. Comme ça peut concerner ici un projet professionnel ou une réponse au niveau professionnel. L'intention est la même, hein. Que ce soit le projet professionnel, que ce soit ici l'attente de l'acquisition, de l'amélioration, ou que ce soit ici un problème que vous ayez dans votre relationnel amoureux avec votre partenaire, il y a une énergie de, bon, mon intention première, c'est ce week-end, je me ressource, je n'y pense plus et je m'occupe de moi, mais chasser le naturel, il revient au galop, vous serez quand même dans l'attente, dans l'analyse. Parce qu'il y a quelque chose que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Pour certains, il y a peut-être une envie d'enfant, d'agrandir le foyer. Donc, si tel est le cas, si vous êtes encore en âge d'enfanter, et même si vous êtes un homme et que votre partenaire vous a parlé de son désir d'enfant, je pense que ce week-end, soit il y a des analyses à faire, soit vous allez réviser ici les analyses que vous avez faites. Ici, il y a une idée de ressasser quelque chose, malgré votre intention de vous reposer. C'est ce qu'il est dit ici dans votre tirage pour ce week-end, ami Verseau. Coucou les poissons. Allez, pour les poissons ce week-end. Alors, la loi. L'inspiration. Oula. La mort, l'âme,
Pas la chanteuse. Et la paix. Bon, c'est bien. C'est bien les petits poissons. Bon, les petits poissons aujourd'hui, enfin, ce week-end, pardon, excusez-moi. Ce week-end, vous aurez une idée d'explosion, vous serez très inspiré à mettre un terme ou à un contrat de travail ou alors à une dualité qu'il y a en vous pour retrouver un calme et une sérénité, une paix intérieure. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici? Si vous ne vous sentez pas à votre juste place, que ce soit dans un professionnel, dans un relationnel ou dans toute autre situation, ce week-end, vous allez ici prendre conscience que quelque chose doit s'achever. Soit je dois arrêter de me comporter comme cela pour obtenir cela, soit je dois arrêter le lien qui est le mien avec cette personne parce que ce n'est pas sain pour moi, soit je dois arrêter un contrat, un partenariat avec cette personne parce que c'est pas sain pour moi. Il y a une idée ici de prise de conscience. Il y a quelque chose que vous ne méritez pas de vivre et de subir, et de prendre conscience que quelque chose doit s'achever pour votre propre bien-être, pour retrouver ici plus de lumière, plus de bien-être. Alors je ne sais pas hein, avec quoi, à quoi, avec qui vous allez mettre ici ce stop, mais c'est une libération volontaire de votre part. C'est vous qui êtes à l'initiative de dire. Ça, il faut que ça s'arrête parce que ça m'épuise, parce que c'est pas juste pour moi, parce que c'est pas ce que je veux pour l'avenir. Et avec la carte de l'inspiration, elle est là, votre prise de conscience, hein. C'est que vous avez été guidé, vous avez été amené, surtout avec la loi, hein, vous êtes sur votre juste chemin, de dire stop à quelqu'un, à quelque chose, à une situation pour votre propre bien-être. Et c'est de votre propre initiative. Donc voilà pour vous les poissons. Coucou les béliers. Allez, on est parti. Les béliers, nous avons la mer, MER, le conquérant. Nous avons la prière. Et le mensonge. Il y a une énergie de bélier. Hein. Le conquérant, c'est l'empereur, j'allais dire l'impérator. Ben oui, bien sûr. Dark Vador, je suis ton père. Non. Alors, je vais d'abord m'adresser à vous, messieurs. Hein. Homme bélier. Alors, monsieur le bélier. Ici, vous avez un désir de changement de direction, vous avez un désir ici ou de déménagement ou alors de changer quelque chose dans vos finances, votre carrière. Mais faites attention à votre ego. Faites attention ici, vous avez la... Vous foncez ici, ben, comme un bélier, hein, mais on a l'air de vous dire que vous trompez sur une situation ou sur un relationnel, vous trompez peut-être de direction. Vous trompez peut-être dans vos intentions ou dans votre façon de faire. Soit ici, parce qu'il y a trop d'impulsivité. Soit ici, bah parce que vous êtes tête baissée, vous réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas, j'ai du mal à le dire, oui, bah en effet, vous ne réfléchissez pas assez, en fait. Bah, bon, voilà, hein, vous avez vu, Grisette est sur la place, est dans la place. Vous ne réfléchissez pas assez à... À l'avenir. Vous êtes votre propre ennemi ici dans votre façon de faire. Alors, ok, quelque chose doit s'améliorer au niveau finance et carrière. Quelque chose doit s'améliorer dans votre façon de fonctionner avec l'autre, ok? Mais soit ce week-end, vous allez prendre conscience ici que vous avez foncé tête baissée dans quelque chose et que ici, c'est pas sain pour vous. Soit vous allez prendre conscience qu'il faut changer de stratégie ce week-end. OK? Parce que pour moi, vous allez prendre conscience avec la carte de la prière versus la carte du mensonge. Que soit vous vous êtes trompé sur quelqu'un, soit vous vous êtes trompé dans votre façon
d'ambitionner ou d'être stratège. C'est une prise de conscience que vous avez, messieurs, ce week-end. Et vous allez modifier le cours des choses parce que vous allez modifier quelque chose en vous ou parce que vous allez y voir clair et prendre conscience de cet état de fait. OK? Maintenant, si vous êtes une femme, il y a quelqu'un en face de vous ici. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche à vous séduire. Et alors, si vous êtes célibataire, faites attention. Parce que cette personne, vous êtes comme un trophée pour elle. Hein. Et cette personne ne vous dit pas ses intentions, ne vous dit pas ici. C'est quelqu'un qui sera assez fuyant quand elle aura obtenu ce qu'elle désire. Donc, si vous n'avez personne en ce moment, il n'y a pas de message pour vous ici. Hein. Là, parce que là, il y a un personnage. Alors, il se peut pour d'autres que ce soit pas sentimental, mais il se peut que ici il y ait quelqu'un de têtu dans votre environnement. Alors, c'est pas un enfant, hein, je vous le dis tout de suite, le conquérant, c'est quand même quelqu'un, c'est une autorité. Hein. C'est ou un patron ou un ex-partenaire, c'est possible, comme il se peut que ce soit ici... Alors, ou un patron ou un ex-partenaire... Ça peut être un ami aussi, mais très directive. C'est quelqu'un qui veut vous faire changer, qui veut vous contrôler, qui veut... Mais je pense ici, ce week-end, que vous allez y voir clair sur les intentions de cette personne. Et vous voyez, je pense pas que vous aurez tous votre message, les béliers. Hein, parce que vous, si vous êtes seul, sans problème avec un patron, sans problème avec un ami... que vous n'avez personne avec qui ici vous correspondez ou qui a un, voilà, si vous n'avez personne dans votre cœur, il n'y aura pas de message pour vous ce week-end. Donc ce qui signifie RAS, rien à signaler, ok? Coucou les taureaux. Allez, c'est parti les taureaux pour ce week-end. Alors Grisette s'est mis près de moi, donc bon, c'est un peu compliqué là. Les arts, la femme. Bon, ben déjà, je vais m'adresser plus aux femmes taureaux. Mais restez, messieurs, hein, il y a toujours un message pour vous. Le sceau. Et l'équité. Ouh, jolie, mesdames. Hein. Alors, si vous êtes une femme ce week-end, écoutez, vous allez retrouver une énergie de paix, de sérénité. Vous allez peut-être vous consacrer à un don que vous avez, hein, le don de jardiner, le don de danser, de chanter, ou alors d'aimer la lecture, le cinéma. Ici, il y a une belle énergie de santé et d'équilibre retrouvé, de bien-être retrouvé. Les arts, ça peut représenter aussi le lâcher prise et la légèreté. Hein. Donc, c'est très, très positif pour vous, mesdames, puisqu'on vous dit que ce week-end, c'est tout ce que vous allez vivre et c'est tout ce que vous allez retrouver. OK? S'il y avait eu un désaccord avec quelqu'un, il y a peut-être une énergie d'être poussé à se réconcilier avec cette personne pour retrouver son équilibre et sa paix. Ça aussi, c'est possible. Maintenant, si vous êtes un homme, c'est ce que vous allez vivre avec cette femme. Donc, il faut qu'il y ait une femme dans votre énergie de cœur ou dans votre vie tout court. Si vous êtes un homme célibataire sans personne, il n'y aura pas de message pour vous. Sauf si vous avez une amie qui vous est proche, ben c'est peut-être avec elle que vous allez passer des moments de légèreté et de rire et de bien-être. Okay? Sinon, si vous avez quelqu'un dans le cœur, messieurs, ben, vous allez passer un bon week-end avec cette personne. C'est des instants ici privilégiés. Hein, c'est un week-end de calme, de rire, de légèreté, d'amusement. C'est quelque chose de beau à vivre. Coucou les Gémeaux. Allez, les Gémeaux pour ce week-end. Alors, nous avons la transformation. Nous avons le jeune homme. Donc, quand il y a un personnage, je m'adresse déjà à lui. Hein. Nous avons le papyrus. Et nous avons l'amour. Oh là là, Mazel Tov, hein. Bon, alors que vous soyez un homme ou une femme, mais surtout si vous êtes un homme, ici, il y a une belle promesse d'amour et de métamorphose dans le lien qui est le vôtre. La belle promesse d'amour...
Ici, hein, peut-être que vous, vous dites à votre partenaire, j'ai changé ou j'ai envie d'évoluer avec toi parce que je t'aime et j'ai envie ici, de te promettre amour éternel. On dirait un conte de fées. Non, mais c'est ce que veulent dire les cartes. Hein. Je rigole, mais vous êtes très amoureux, hein, messieurs, apparemment. Et vous avez envie de changer et d'avancer, hein, avec cette personne et pour cette personne. C'est une promesse ici que vous faites à votre partenaire. Une promesse d'être toujours à ses côtés, messieurs. Ben, si vous êtes une femme, vous avez compris que c'est cet homme ici, hein, qui veut changer pour vous et qui vous promet amour éternel, entre guillemets. Excusez-moi, je suis pas une amoureuse de l'amour, hein. Je suis désolée pour mes commentaires. Ne regardez juste les cartes, ne m'écoutez pas. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage ici, les Gémeaux pour vous. En tout cas, si vous êtes avec quelqu'un, ben écoutez, hein, cette personne, elle a envie de tout vous offrir, tout simplement. Et vous, si vous, monsieur, hein, vous avez envie de tout offrir à cette femme, hein, vraiment. Parce que je pense que vos promesses avec le papyrus, c'est pas que des paroles en l'air, hein. Je pense qu'il y a quelque chose de véritable dans vos intentions. Alors par contre, si vous êtes célibataire sans personne, je pense que si vous êtes célibataire sans personne, il y a quand même un message pour vous. Parce que la promesse est vis-à-vis de vous. La promesse ici, avec la transformation, c'est un apprentissage des leçons du passé. Il y a une énergie de plus jamais. Il y a une énergie de voilà ce que je mérite. Voilà ce que je vaux. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et voilà ce que je mérite de vivre. Donc il y a peut-être une prise de conscience que vous allez faire ce week-end si vous êtes célibataire. Mais voilà le message qui est le vôtre. Coucou les cancers. Allez, pour nos amis cancers. Alors nous avons le printemps, la nuit. Oula, nous avons l'homme, nous avons l'ordre et nous avons la naissance. Ok, alors je vais d'abord m'adresser à cet homme ici. Alors, soit vous rêvez ici d'un projet professionnel, ok, soit vous rêvez d'une renaissance. Alors, dans quel domaine? À vous de le situer. Parce que ça peut parler d'une reconversion aussi. Mais ici, on est dans des rêves. On est dans des fantasmes, on est dans des envies et on est dans des préoccupations. Et les préoccupations qui sont les vôtres, c'est est-ce que je vais réussir à concrétiser cela? Est-ce que je vais réussir à changer cela? Est-ce que je vais réussir à m'épanouir à nouveau? Est-ce que je vais... Il y a une quête ici qui est la vôtre, messieurs. Et vous vous demandez quand est-ce que ça va tomber? Parce qu'il y a une énergie de lenteur dans ce qui doit venir vers vous. Donc vous, ce week-end, c'est préoccupation concernant mes rêves. Mes rêves de projet, mes rêves de renaissance, donc de reprise de pouvoir, ou mes rêves de reconversion. Et ça va vous travailler jusque dans votre sommeil. OK? Maintenant, si vous êtes une femme, ça concerne un homme. Un homme ici où il y a pu y avoir du flirt. Il y avait le début de quelque chose, mais il y a eu un impondérable. Et ce week-end, vous allez vous poser la question, en fait, la question qui est la vôtre, c'est est-ce qu'il y a un avenir? Où est-ce que je vais retrouver cette personne? Où est-ce qu'il va se passer quelque chose entre lui et moi? Bon, vous serez dans des interrogations, les cancers, ce week-end. Alors, vous, messieurs, je vous l'ai dit, et vous, mesdames, ça concerne un homme qui est dans vos énergies. Alors, qui est cet homme? Est-ce que c'est un ex? Alors, si c'est un ex, il ne s'est pas passé grand-chose, hein. Ça s'est vite fini, votre relation, hein. Et si ce n'est pas un ex, c'est quelqu'un avec qui il y a eu du flirt, il y a eu le début de quelque chose, mais il y a eu une entrave, il y a eu un impondérable. Quelque chose, c'est, je sais pas, ne s'est pas achevé. Bon, j'ai Grisette qui joue avec les cartes. Qu'est-ce qu'elle a fait tomber? Je regarde si c'est... Oui, elle a fait tomber une carte, mais ça doit être pour vous. Du coup, je vais aller... Non, elle en a fait tomber deux. La transformation, le jeune homme. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'elle vous a tiré. Ça veut dire quoi ici? Mesdames,
Ça veut tout simplement dire, il y avait bien une énergie de c'est tout nouveau, tout beau, hein, dans la relation qui était la vôtre. Hein. Donc si vous êtes depuis très très longtemps avec quelqu'un, il n'y a pas de message pour vous. Parce qu'ici, il s'adresse aux personnes où il y a eu le début de quelque chose avec quelqu'un. Soit ce week-end, vous devez prendre conscience ici qu'il faut ou trancher, couper, donc se dire ben, si ça s'est arrêté ou si ça ne progresse pas, c'est qu'il y a un sens ici avec l'ordre, il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Soit vous avez peut-être le moyen de transformer le cours des choses, c'est-à-dire de vous avez peut-être une action ou quelque chose à faire pour transformer le négatif en positif. Et là, bah, Grisette est partie, donc elle ne me retirera pas d'autres cartes. Je ne pourrai pas vous dire, il y a une amélioration quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Mais vous, les cancers, ce week-end, c'est dans votre tête qu'il se passe des choses. Ce n'est pas dans les faits qu'il se passe quelque chose. Ok ? Coucou les lions. Allez, on est parti pour les lions ce week-end. La montagne. Les études. La bénédiction cachée. L'élévation. Bénédiction ou stop, hein. C'est pour ça que je parlais de bénédiction cachée. Bon, les lions, ce week-end, c'est de l'analyse. C'est du mental ici. Alors, le premier message. Quand on a la montagne, c'est qu'on a un blocage, c'est qu'on a un conflit avec quelqu'un ou en soi. Ok, la carte des études dit que vous êtes en train d'étudier, d'analyser le pourquoi du comment pour essayer ici d'y mettre un terme et pour soit se réconcilier, soit couper avec la personne ou couper avec soi, hein, avec ce qui nous ronge de l'intérieur pour son propre salut. Donc, si vous avez un conflit avec quelqu'un, peu importe, c'est à vous de le situer. Vous avez votre propre participation dans la guidance, je vous le dis plusieurs fois, ok ? Donc, si vous avez un conflit, un blocage avec quelqu'un, ce week-end, il y a une idée de soit on stoppe les frais, parce qu'ici, vous allez étudier, donc vous allez analyser, vous allez retourner le problème jusqu'à comprendre quelle est la solution, à quoi on peut aboutir. Est-ce qu'on peut aboutir ici à une résolution des problèmes ou est-ce que il faut couper? Ok? Vous aurez la solution ce week-end, quoi qu'il en soit. Ok? Ça, c'est le premier message. Deuxième message, si en ce moment, vous êtes en formation, vous êtes en séminaire ou il y a quelque chose qui vous demande de revenir à l'école ou en stage ou... Bon, parce que la carte des études dit que vous travaillez sur de l'administratif ou vous travaillez sur un projet compliqué avec la montagne. Et ce week-end, vous êtes à fond sur cette étude, ok, sur ce projet, pour ici obtenir un succès, tout simplement. Donc, ce qui présuppose que vous vous challengez ce week-end, que vous relevez le défi, d'étudier, de travailler fort, de travailler dur, parce que vous êtes en quête de succès, vous êtes en quête de réussite. Et on a l'air de vous dire quelque part, spoiler alerte, que vous allez réussir à vous challenger et à relever le défi, mais parce que vous avez du potentiel, tout simplement. Donc voilà pour vous les lions, les lionnes. Passez un bon week-end, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite, si Dieu le veut bien. C'était Maëlle.